Cette fois, chaque jour et de tout mon cœur, je bénis ton nom, Dieu de toutes choses. J'invoquais ton nom, tu m'as consolé, ô roi éternel et ô Dieu des dieux. Seigneur Jésus-Christ, ô notre vrai Dieu, qui pour nous sauver vint et s'incarna. Il s'est incarné par le Saint-Esprit de Vierge Marie, la Vierge si pure. Changea notre deuil, aussi nos angoisses en joie de nos cœurs, allégresse totale. Et prosternons-nous à lui. Chantons, chantons pour sa mère, la belle colombe. Crions d'une voix d'allégresse, disant salut à toi, Marie, mère d'Emmanuel. Salut à toi, Marie, salut d'Adam, notre père, salut à toi, Marie. Mère du refuge, salut à toi Marie, allégresse d'Ève, salut à toi Marie, joie des générations. Salut à toi Marie, joie d'Abel le juste, salut à toi Marie, Vierge véritable, salut à toi Marie. Délivrance de Noé, salut à toi Marie, l'Immaculée Calme. Salut à toi Marie, grâce d'Abraham, salut à toi Marie, couronne inaltérable. Salut à toi Marie, salut d'Isaac le Saint, salut à toi Marie, Mère du Très-Saint. Salut à toi Marie, allégresse de Jacob, salut à toi Marie, des milliers de fois. Salut à toi Marie, fierté de Judas, salut à toi Marie, ô mère du Maître. Salut à toi Marie, prédication de Moïse, salut à toi Marie, ô mère du Maître, salut à toi Marie, honneur de Samuel, salut à toi Marie, fierté d'Israël. Salut à toi Marie, patience de Job le juste, salut à toi Marie, la pierre précieuse, salut à toi Marie, mère du bien-aimé, salut à toi Marie, fille du roi David. Salut à toi Marie, amie de Salomon, salut à toi Marie, la gloire des justes, salut à toi Marie, délivrance d'Isaïe, salut à toi Marie, guérison de Jérémie. Salut à toi Marie, étendard d'Ézéchiel, salut à toi Marie, grâce de Daniel. Salut à toi Marie, la force d'Élie, salut à toi Marie, grâce d'Élisée. Salut à toi Marie, la mère de Dieu, salut à toi Marie, mère de Jésus-Christ, salut à toi Marie, la belle colombe, salut à toi Marie, mère du Fils.
s'incarna de toi, de cette union dont on ne pourra dire d'égal. Tu es très élevé en vérité, plus que le bâton d'Aaron, toi pleine de grâce. Et le bâton n'est autre que la Vierge Marie, car il est le symbole de sa virginité. Elle a été enceinte, enfant à son semence, le Fils du Dieu très haut, lui le Verbe en personne. Et de par ses prières et ses intercessions, ô Seigneur, ouvre-nous la porte de l'Église. J'implore et te demande, ô la Mère de Dieu, les portes des Églises qu'elles s'ouvrent aux croyants. Et tous demandons-lui d'intercéder pour nous près de son bien-aimé, afin qu'il nous pardonne.